Moi, je connais plein de filles qui aiment ça. Oh, c'est qui Street? Yeah, moi, je passe le Flatiron. Oh, Beyoncé. Oh, oh, oh. Like, non, pour le vrai. Like, il faut que tu t'assures que avant de brûler tes extensions, tu mets du heat. Use your body control me. Then you wind up your waistline slowly, baby. Moula never left you lonely. If you need good love, you Salut tout le monde, mon nom c'est Mélissa Rose et vous êtes aujourd'hui sur ma page pour ma nouvelle vidéo de cette semaine qui vous parle de quels produits utiliser dans vos extensions de cheveux. Donc ça c'est une vidéo que vous m'avez demandé de faire pour vous, donc je la fais. Vous êtes mieux d'écouter ce que je vous dis, vous êtes mieux d'écouter et d'utiliser les produits que je vous recommande, puis vous êtes mieux de vous abonner à ma chaîne, vous êtes mieux d'aimer ma vidéo, puis vous êtes mieux de l'écouter jusqu'à la fin parce que j'en ferai pas d'autres, ok? Vous m'écoutez? T'as entendu? Tu m'écoutes? Toi? Oui toi? Oui toi? Toi là, vas-y, va cliquer le bouton en bas, je t'attends. Va cliquer, abonne-toi, j'attends. Je t'attends. T'as fini? Allez. Ok, so, aujourd'hui guys, comme je vous le dis et comme c'est écrit dans la vidéo, juste en haut dans le titre, on parle de les produits qu'on utilise dans les extensions. So, c'est simple, on va faire ça court et simple aujourd'hui. Je vous montre les produits, j'essaie de vous donner le meilleur de mes conseils sur où aller les chercher et comment les utiliser. Puis ensuite, après ma vidéo, vous faites vos devoirs, vous allez acheter vos produits et ensuite vous faites ce que vous avez à faire, ok? Si vous n'êtes pas capable d'utiliser vos produits, je ne suis pas responsable. Si vous êtes mal propre, je ne suis pas responsable de vos extensions de cheveux. Ça, je vous dis live, je ne suis pas responsable. C'est ton problème, je te donne les conseils, je te dis comment le faire, je te dis comment les utiliser, débrouille-toi. Alright, you get it? Alright. So, premier produit important, ok? Ce produit-là est plus important que le deuxième produit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup plus souvent que l'autre. Donc, le deuxième produit est mon numéro 1, right? You get it? Alright. So, numéro 1, le traitement slash conditioner. Très, 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 très important. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo avant qui vous parle de comment vous comment entretenir vos extensions de cheveux, comme dans la vidéo que j'ai faite avant, ça vous explique comment le faire, comment laver vos cheveux, comment démêler vos extensions, comment le faire. So, là maintenant, je vais juste vous montrer les produits que vous allez utiliser pour faire ça. So, conditioner numéro 1. Moi, mon conditioner favori, c'est Très Aimé. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Très Aimé, c'est ma marque, mon go-to. J'utilise ça dans mes cheveux. Même là, je viens de laver mes cheveux. So, this is what my hair look like, comme mes cheveux sont lavés et avec du traitement. I look cute, bitch. I know. Ouais. Fait que j'ai utilisé Très Aimé dans mes cheveux. J'ai pris Très Aimé comme ça parce que j'ai vraiment beaucoup de bouteilles de Très Aimé. C'est vraiment juste à titre indicatif pour que vous voyez c'est quoi, de quoi ça a l'air Très Aimé. Fait que d'habitude, la plupart du temps, ils ont des bouteilles noires et des bouteilles blanches. La plupart du temps, les bouteilles blanches, c'est du conditioner. Les bouteilles noires, c'est le shampoing. Right? You get it? Alright. So, conditioner Très Aimé. Moi, c'est celui que je recommande. Deuxième produit, très important, qui est techniquement, qui devrait être le numéro 1 selon les gens. Le shampoing. Pour moi, le shampoing, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2. Pourquoi j'utilise plus ce traitement que j'utilise le shampoing? Parce que le shampoing, comme je l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo aussi, que vous allez aller regarder, ou que vous avez déjà vu, right? Ok. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que le shampoing assèche les cheveux. Quand même, au moins une fois par mois, vous utilisez le shampoing dans vos extensions. Très Aimé encore, que je recommande. Donc, comme je vous disais, ça c'est Moisture Rich. Pour de vrai, vraiment un bon shampoing. Tu sens vraiment l'hydratation quand tu laves les cheveux puis que tu démêles avec tes doigts. Moi, c'est dans mes cheveux naturels que je l'utilise. Quand je démêle avec mes doigts, mes cheveux se démêlent comme ça. Snap finger, mes cheveux sont démêlés. Yes, yes, yes. C'est ça que je veux. Mes cheveux sont démêlés. Good. Donc, Très Aimé encore une fois pour vos extensions. Donc, shampoing conditioner, Très Aimé, for sure. Pour ce qui est des cheveux bouclés, Deep Wave, Exotic Wave, Deep Curly, Kinky Curly, Kinky, whatever it is, Curly, pas Curly, Curly Hair, de la mousse, guys, de la mousse. Encore une fois, je sais, j'utilise Très Aimé. Moi, c'est celui que j'aime le plus. J'ai d'autres produits dans mon armoire, j'ai une panoplie de produits, mais j'ai vraiment été avec des produits que je sais que, like, si dans ma tête on me demande c'est quoi la mousse que tu utilises dans tes cheveux, tout de suite, Très Aimé. C'est quoi le shampoing que tu utilises dans tes cheveux? Tout de suite, Très Aimé. C'est quoi le meilleur conditionneur que tu as pour tes extensions de cheveux? Tout de suite, Très Aimé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces produits-là, parce que je sais que c'est ça que moi, je vais vous recommander si on me le demande on the spot, right? Ok. Je parle un peu vite. Ça, c'est comment que je parle. C'est ma personnalité. C'est comme ça que je suis. Si tu n'aimes pas ça, you're a issue, bitch. Alright. Très Aimé. Donc, on revient à mon sujet, ma mousse. Donc, Très Aimé. Encore, ça dit Flawless Curls. Pour de vrai,
quand vous utilisez de la mousse, faut pas avoir peur, faut pas être chiche avec les produits, ok? Ça c'est une autre affaire, faut pas être chiche avec les produits. Quand vous mettez du conditionneur, ok, oui, je comprends, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une palette non plus, mettez pas la moitié de la bouteille, mais mettez-en quand même beaucoup. Le shampoing, bon, c'est pas obligé d'en mettre beaucoup, le shampoing c'est un peu moins grave, mais pour de vrai, soyez pas chiche avec vos produits parce que là il y a des limites, ok? Soyez pas chiche. Donc la mousse, faut en mettre quand même une bonne quantité quand les cheveux sont mouillés. Si vous voulez avoir un wet look, le meilleur combo c'est un peu d'huile, de la mousse et de l'eau. La meilleure chose, fait qu'il faut pas être chiche avec la mousse, ok? Donc vous choisissez la mousse, moi j'ai choisi très aimé, vous pouvez y aller avec olive oil, vous pouvez y aller avec les produits que vous trouvez chez Bottega là, vous pouvez y aller avec ces produits là, ça c'est votre problème, à fait garder nous, mais moi je vous conseille très aimé. Merci, bonsoir. Ok, une autre affaire qui est très importante aussi avec vos extensions de cheveux, mesdames qui remèguent cheveux silky straight, yo, les filles qui utilisent du fer à repasser, pas oh mon dieu. Pas du fer à repasser, excusez-moi. Le fer plat. Ok? Les gens qui utilisent le fer plat, guys, si vous savez pas ce que je tiens dans mes mains en ce moment, vous avez un problème. Sortez ma claque sur la tête à distance, ok? Ok? Très important. Tout ce qui est séchoir chaud, tout ce qui est fer plat, fer à boucler, protectant contre la chaleur. En anglais, heat protectant. C'est tellement important pour de vrai, pour moi, à mes yeux, le heat protectant, des fois, ça peut être plus important que le shampoing et le conditioner. Tellement c'est important. Mettez-le à chaque fois que vous utilisez là, votre foutu fer plat, mettez ça, ok? Moi, c'est celui que j'utilise, c'est le Icy. J'aime bien la compagnie Icy pour de vrai parce qu'ils ont vraiment des produits quand même de qualité qui sont pas chers, c'est abordable. Comme Icy, c'est vraiment nice. Donc ça, tu vois, il y a un fer dessus, ici, et puis un fer plat, et puis il y a le séchoir. Donc quand vous allez voir le produit, vous pouvez pas dire, oh, mais c'est quoi ça? You stupid bitch. Like, c'est dessus là, c'est dessus, ici, insert here, ici là. Tu suis ça, ok? Tu mets ça sur tes extensions avant d'avoir utilisé le fer. Ça là, ça va protéger tes cheveux, ok? Ça c'est un, ça va protéger tes cheveux, ça va empêcher que les cheveux brûlent. Donc la longévité des cheveux augmente, ok? Like, mets ça, ok? Juste arrête de me faire parler pour rien. Mets ça, puis t'as fini, ok? Merci. Dernier produit, guys. Dernier produit. Biosilk, ok? Ça, pour de vrai, ce produit-là, like, quand vous regardez les vidéos des filles américaines, Biosilk, là, ça sort partout, ok? Biosilk, regarde-moi ça, là, waouh. Biosilk, ok, ça a l'air de ça, la bouteille Biosilk. Ouh, I look good. Yeah. Ok, excusez. Ouais, Biosilk, ok. Ça là, ce que ça fait dans le fond, vous voyez quand j'ai parlé dans ma première vidéo qui parle de AliExpress versus les cheveux de Hera Beauty, ma première vidéo que j'ai faite qui est aussi sur ma page, que t'es supposé l'avoir vue, right? Ok, t'es mieux à regarder la vidéo après que j'ai fini parce que je vais mettre le lien en dessous, ok? Enfin, va regarder cette vidéo là aussi. Merci, bonsoir. Donc, excusez-moi, guys, vous entendez sûrement mon chat en train de pleurer en arrière parce que je l'ai mis dehors parce que je voulais pas qu'elle dérange ma vidéo. Sorry, not sorry. Coucoun! Shut up. Allez. Ouais. Donc, Biosilk, dans le fond, quand je parlais dans mon autre vidéo, je parlais de Hera Beauty versus AliExpress. Dans cette vidéo-là, ce que je vous expliquais, c'est que les Chinois aiment beaucoup mettre des cheveux qui sont plus courts que la vraie longueur des cheveux. Pourquoi? Parce que c'est des cheveux qui ont été ramassés sur les tapis par terre. Ça, c'est une autre vidéo. Vous allez dire, hé, tapis par terre, de quoi elle parle? Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle radote? I know what I'm saying. Ok? Ça va être complètement une autre vidéo parce que c'est tellement long à expliquer. C'est tellement choquant que je peux pas vous mettre ça dans cette vidéo-là. Fait genre, faire une autre. Ok? Bête. Donc, ça, dans le fond, ce que ça fait, quand il y a les cheveux plus courts qui sortent par à gauche, à droite des extensions, hein, quand vous mettez ça, là, le Biosilk, ça aide à cacher ces cheveux-là. Pardon. Donc c'est ça. Ce que ça fait dans le fond, ça aide à cacher les petits cheveux courts qui sont dans vos extensions. Important, si vous achetez le Biosilk et vous êtes intéressé à acheter ce produit là, important, il faut être chiche avec ce produit là, ok? Vous mettez un tout petit peu, regardez, un tout petit peu, ok? Pitié, ça là, comme une goutte là, comme yo, regardez, on goutte là. J'abuse là, une goutte là pour vous. Si vous avez des extensions quand même assez longues, mais, pour le reste, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment graisseux.
Like, si t'en mets trop, tes cheveux vont être trop huileux là. Comme c'est dégueulasse, tes cheveux vont être gras, ça va être là, pas lavé, ça va pas être beau. Fait que c'est vraiment quand t'as fini de mettre ton heat protectant, t'as fini de aplatir tes cheveux, tu mets un tout petit peu de biosilk, tu mets une petite goutte dans ta main, tu passes tes mains comme ça, puis tu passes vite vite sur tes extensions juste pour cacher le plus de petits cheveux possible. Ok? Good. Alright. Alors, dans le fond, là maintenant j'ai fini de vous nommer les produits en général que j'utilise le plus sur mes extensions, je vais essayer de vous dire aussi où ce que vous pouvez les trouver. Alors, dans le fond, très aimé, ça c'est quelque chose qui est quand même assez facile, vous pouvez trouver ça facilement en pharmacie. Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix, Familyprix, vous pouvez trouver ça, guys, pretty much partout. Ok, c'est vraiment des produits faciles à trouver, puis c'est vraiment abordable. Like, moi, ces bouteilles-là que j'ai achetées là, comme surveiller les circulaires, parce que moi j'ai acheté ces bouteilles-là à genre 3,99$ au Pharmaprix à un moment donné. Fait vraiment là, comme surveiller les spéciaux pour les très aimés. Ici, ça ici, mon Heat Protectant, ça définitivement ira. Vous pouvez aller trouver ça. C'est environ 6 à 8$ environ pour ça. Vous pouvez trouver du Heat Protectant, peut-être d'une autre marque dans les pharmacies aussi. Mais celui-là, ici, je suis sûre que vous allez trouver ça chez Era, Obu, Sodi ou whatever, les magasins de produits de beauté pour les extensions. Vous allez trouver ça for sure. Là maintenant, BioSilk, ça ici, malheureusement, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Thank you. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour ce produit-là. Donc, malheureusement, je ne sais pas où ce que ce produit-là a été acheté. Je ne peux pas vous garantir à 100% que vous allez trouver ce produit-là chez Era Beauty. Je sais que vous pouvez aller l'acheter sur Internet. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Sûrement, vous allez pouvoir le trouver là. Dans le fond, faites vos recherches avec BioSilk, B-I-O-S-I-L-K. Vous allez pouvoir faire vos recherches et essayer de trouver le produit. Ça devrait coûter environ dans les 25 à 30$ à peu près pour une bouteille. Mais pour de vrai, ça vaut vraiment la peine. Comme si vous avez des extensions cheapettes là, comme les gens qui ne veulent pas dépenser trop cher pour des extensions, vous pouvez mettre ça dessus. Et vos cheveux vont peut-être faire un peu plus de sens que ce que ça avait l'air au début, right? Ok. Alors, dans le fond, c'est ça. Donc, je ne vais pas radoter plus que ça. Pour de vrai, comme... c'est vraiment ça là. So, guys... très aimé, meilleure compagnie que moi je recommande pour les cheveux. Ensuite, il y a IC pour le Heat Protectant, puis BioSilk pour réduire les cheveux qui dépassent pas. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations que vous aviez besoin. Abonnez-vous à la chaîne, je pense que vous l'avez déjà fait, right? Parce que j'attends juste après vous pour ça. Abonnez-vous à la chaîne, like la vidéo, share avec tes amis, dis-leur d'aller arrêter d'acheter des produits chez Dollarama pour mettre dans leurs extensions, ok? Ok? Partage-leur les produits que je t'ai donnés, ok? Comme ça, quand tes extensions vont être popping in the street, tu vas dire, c'est Mélissa, oui, qui m'a dit quel produit qu'il fallait que j'utilise. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Je te donne des conseils, fait qu'utilise-les, ok? Ok. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. J'espère que vous êtes amusés avec moi. Like, subscribe and share avec tes amis. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne soirée. Ciao, guys. If you need good love, you never show me. Cause you are my girl, you are my queen. Are you feel me the only girl from my team? You are my girl, you are my queen. Are you feel me the only girl from my team? You never want me here, but I never like me care.